Petit Neverwinterien et petite Neverwinterienne, ici Starkad votre hôte et nous nous retrouvons pour l'épisode 8 du troisième chapitre de cette campagne officielle qui fait bien du bruit parce que c'était vraiment une très belle campagne je trouve. Je l'ai énormément sous-estimé à l'époque parce que j'étais assez difficile dans mes choix de jeux de rôle, surtout dans les jeux vidéo. Donc j'avoue que je l'ai assez sous-estimé, je pense. Donc on va partir à nous avec Apaslan, le druide, et ses compagnons d'armes, donc un tigre géant, Pars, la panthère noire, et Tommy, la potence. Voilà, nous y voici, alors je fais un petit arrêt. Donc nous sommes dans les entrailles d'une forteresse de géants, n'est-ce pas, pour essayer de chercher un mot de pouvoir qui serait détenu par un dragon, un dracocyre rouge, appelé Cloth. Donc bon, voilà. C'est pas trop ce qui va se passer, je sais pas comment on va pouvoir démolir le dragon. Apparemment il utilise des dragons, ce dragon utilise d'autres dragons pour rajeunir, parce qu'il est arrivé à la fin de sa vie, et il doit être supravieux. Et comme les dragons ne sont pas éternels, Yaïs aussi, hein, donc il utilise des autres dragons pour, d'après ce que disait la personne qu'on a rencontrée en prison, il disait qu'il fait des expériences dans le sens où il fait grandir les dragons jusqu'à l'âge mature, et à ce moment-là il les sacrifie pour pouvoir les... absorber leur essence, je pense. Quoi qu'il en soit, nous on cherche un mot de pouvoir qui est détenu par ce dragon. Donc on va essayer de trouver un moyen de l'avoir sans se faire latter par le dragon, quoi. Donc ça va pas être facile, je pense. Quoi qu'il en soit, on y va. On va descendre, là on était au premier niveau. On va mettre la carte, on était au premier niveau de sa forteresse. Maintenant on va descendre dans les sous-sols de la forteresse gigantesque. Alors, comment les géants passaient cette porte, je sais pas, mais en tout cas il l'a passé. Allez, on y va. On descend dans les sous-sols. On va perdre les géants du feu. Ouh. Ça va faire mal, je le sens. On va y aller en recherche. Que les pièges, on prend plein la gueule. Donc je joue à Parslan qui est un druide niveau 13, donc qui a plein de sortilèges de protection qu'il applique sur lui-même et sur ses compagnons, surtout des pots de pierre. Et des sortes d'attaques très peu en fait, mais quand même un qui est super puissant et qui est totalement OP, c'est le mise à mal, qui est le contraire de guérison suprême, c'est-à-dire que ça enlève tous tes points de vie, moins 1 ou 4, 1 à 4. Donc à la fin, vous avez par exemple, un géant qui a 136 points de vie, il est revenu, il est passé à 1 à 4 points de vie, un coup et hop, il est mort. Donc c'est un peu gros bill. Enfin, c'est un peu gros bill, je sais pas si vous comprenez gros bill, mais c'est un peu OP, overpowered. Et ouais. Ah, j'ai perdu ma peau de pierre. Donc je vais en mettre une. Là. Ouais, ma pierre suprême. Et oui, écoutez, moi je vais jouer un petit peu au pétocheux là. Et voilà. Voilà. Ah, un troll là. Que des trolls, tiens, pas de géants. Étrange. Alors, ce qui est étrange aussi, c'est que en tant que. Ah, on a plus les pots de pierre. Je pense qu'on va remonter. Et on va se relancer les pots de pierre, je pense. Ouais, voilà, les pots de pierre ont disparu, les pots d'écorce aussi. Donc, on va faire la pièce qui est là. Ouais, mais non. Non, c'est pas ça, mon petit. C'est pas bon du tout. Et on revient en arrière, voilà. Tommy, si tu veux faire les coffres, tu te fais plaisir. Voilà. Mais là, on ne fait plus les... on va pas attaquer les trolls, il doit y avoir du monde dans la salle qui est là, à mon avis. 27 pièces d'or, ça pour 27 pièces d'or, quoi. Et c'est fait. Ah ouais, j'avais dit dans la dernière vidéo que j'irais faire des courses, enfin mes courses, enfin j'irais tout revendre, etc. Et essayer de voir si je trouve pas des objets un peu plus puissants chez les marchands, parce que là, ça devient un peu craignos. J'arrive pas à trouver d'objet plus 3. Si, j'ai trouvé un anneau plus 3, mais même une amulette plus 3, mais j'ai pas d'arme plus 3. Donc si j'arrive à un endroit où il fallait utiliser une arme plus 3 pour faire des dégâts à un monstre ou une créature, ça va être un peu chaud. Allez, on se repose. Oui, je sais, c'est mesquin, mais c'est comme ça. Ah, autour d'un jeu de rôle sur table, vous faites pas ça. Hein. Vous économisez vos sorts, vous faites attention à pas déclencher les pièges, attention à pas attirer tout le monde. Vous essayez de vous infiltrer dans un truc de géant. Là, bon, voilà, on va dire comme ça. Quoi. C'est un jeu vidéo, quoi. Alors, force. Bah, attendez, je vais d'abord faire le tigre géant. Farce.
Troisième contre la mort sur moi. L'écho de pierre sur Tigre. Panthère, Tommy. La coup de pierre majeure, suprême sur moi. Morsure magique aggravée sur Mademoiselle. Bars, protection énergie destructrice sur moi. Peau d'écorce sur le Tigre. Peau d'écorce sur Bars. On va pour 13h. Enfin, 13h du jeu, bien sûr, on est d'accord. Je re-sauvegarde parce que je suis un gros pétocheux, encore une fois, j'avoue. Allez, on y va. Hop là. Bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas de piège ici. On va aller peut-être passer par là, peut-être. Non, il n'y a rien là, pas d'avis. Il y a peut-être un pont, peut-être pas sûr. La profonde caverne qu'on voit ici, là, à mon avis, c'est le dragon. Hein. Oui, je sais, je suis un peu. Ah, oh putain. Oh mon dieu. Élémentaire. Ça va, c'est 6 élémentaires. Ouais. Pourquoi je marche pas lentement en fait. Ah bah parce que j'ai pas fait fort sur moi, d'accord. Ah c'est bien la hallebarde au moins. Ah c'est le roi Scrog. Direct comme ça là. On se fait le roi Scrog. Ah ouais. Heureusement qu'il frappe sur moi hein. Que j'ai la ceinture qui permet d'encaisser 20 points de tranchant, donc la hallebarde tranquille. Bah, voir Warthrog il va mourir là. Je suis un peu déçu. Allez, il m'a mis par terre quand même. Hein. Il m'a cassé, je pense qu'il m'a pas cassé, mais il m'a bien détruit mon armure. Ouh, le roi Scrog était là quoi, incroyable. Qu'est-ce qu'il nous laisse le roi Scrog? Namiel s'est passé. Il va me faire quoi ça? C'est une gravure de golem sur une face et une rune de protection sur l'autre. D'accord. Mais... Ah. Mousse cambrouilleur plus 10, ça sert absolument à rien. Livre de rituel de Clot. Ce volume détaille la façon de piéger l'essence d'un dragon dans une sphère de dragon. Ah, j'ai l'impression que peut-être piéger vers un poison peut-être pour Clot. On peut peut-être faire ça peut-être. Ah, je m'en souviens légèrement, mais fou, c'est très très flou. Autant les deux premiers chapitres, je me souvenais très bien. Parce que j'ai joué en 2001 ce jeu. Autant, enfin cette campagne là en tout cas, autant la troisième campagne, enfin la troisième partie de la campagne, alors là, je me souviens de rien. Pour une efficacité maximum, ce rituel doit être affecté contre un dracocyre juste éclos, dont la croissance a été accélérée par des sorts et des enchantements, une bête dont l'esprit est encore vide et pur. Eux seuls ont la vitalité et l'énergie de la jeunesse nécessaire pour prolonger la vie du puissant Cloth. Il faut amener ou piéger la créature à absorber au centre de la salle du rituel, et la sphère de dragon doit être placée sur le piédestal. Le corps du dragon sera instantanément consumé, quand sa force vitale sera absorbée par la pierre pour que Cloth s'en repaisse à loisir. Mais attention pour ne pas déplaire au maître et subir sa terrible colère. Si le corps d'un dragon mort devait être absorbé, la sphère devrait être immédiatement détruite. Si elle était par accident présentée à Cloth et celui-ci s'en nourrissait, il dévorerait l'essence du dracocyre mort et qu'il empoisonnerait. Et porterait un sérieux coup à sa puissance. Eh ben voilà. Pour nous trouver un dragon mort, utiliser la sphère dessus. Ouais. Ça peut être facile. Ouais. Oui. Force. 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 Reforce. Vas-y Tommy. Fais-nous le piège. Pour le plaisir. Il doit sûrement y avoir une orbe quelque part là. Après, il n'y a plus qu'à trouver un dragon mort. Non, ça c'est une armure. Non identifié, bon. Pff. Quoi que c'est, ça dépend si c'est plus 4. C'est plus 3 à mon avis. Bon. Alors, non, c'est plus 1 avec charme personne et domination. Bon, ça sont féminisés de toute façon avec l'autre armure là que j'ai vu. Que j'ai mise, pardon. Dans le tonneau, il n'y a rien, je pense, à mon avis. Ah, il y a un. Ça descend là? Vous allez voir rien du tout, je pense. On va regarder, mais je pense pas qu'il y ait une porte. Normalement, il pourrait y avoir une porte, mais non, il n'y en a pas. Donc là, on voit un petit peu où ça mène. Repère de Clotre. Fond de caverne, je pense que c'est là qu'on va trouver un dragon, je pense. Je sais pas pourquoi, je pense. C'est fait. Un petit dragon, on le tue, on le met dans la sphère et c'est terminé. Mais il faut trouver la sphère aussi. Eh. Vous allez voir, bah dans la salle du rituel en fait. Il faut trouver le dragon mort.
faut tuer un dragon en fait, dans la salle du rituel. Faut trouver un dragon et le tuer dans la salle en fait. Bon bah, on va voir. Ouais, y a pas grand chose ici à mon avis. Ouh putain! Il fait la lui. Ah, y a une porte là, j'ai pas vu. Ouh putain! Pas les burnes, les ouais, sataniques là. Tout avec vos dents, je sens rien moi. Pauvre colosse. On va demander à personne. Hein. Alors, en plus, ils sont là, ouais, beauf. Ils sont là en gardien, mais ils ont pas fait grand chose. Hein. J'ai pas vu, mais en fait, s'il y a une porte. J'ai l'avion point vue ici là. Voilà. On se croque assez rapidement, c'est bizarre. Pas m'en plaindre. C'est bon les gars. Allez, on va sauvegarder quand même. Quoi, je suis pété au cheveux? Bah oui, je suis pété au cheveux. Oh, un piège. Mon cher Tommy, c'est à toi d'agir. Hein, voilà. Allez Tommy, faut y aller. Allez Tommy. Toi tu restes là, toi tu restes là. Allez Tommy, on y va. Allez, le piège. Deux pièges en plus. Ça va, tu veux pas mon autorisation pour les faire les pièges? Brutif. Et c'est fait. Suivant. Suivez-moi les gars. Et c'est fait. Bravo Tommy, tu es un chef. D'ailleurs c'est des pièges ici, je sais pas pourquoi, je le sens. Ah bah voilà. Quand tu veux toi. Vas-y mon petit. Des preuves de dextérité. Dextareta. Je peux soigner aussi en tant que druide, hein, j'oubliais. Je soigne super bien avec mes petits trousses de premier secours. Est-ce qu'il y a un? Là, c'est le repère de Cloth, ici la grande profonde caverne. Alors, est-ce que je fais d'abord la profonde caverne ou le repère de Cloth? Ah, la question est là. Faire les petits pièges. Dommage qu'il n'y ait pas de musique là. Et c'est fait. Allez, deuxième piège maintenant. Ils sont pas verrouillés, c'est bizarre. Une autre potion. Bon, d'accord. Et ah bah il y a un piège aussi là. Allez mon petit gars, faut y aller. Ça c'est bien, au moins les PNJ peuvent faire des actions. C'est fait. Seul. Bon bah y'a pas grand chose hein, de toute façon. Comme j'avais prédit. Maintenant, savoir. Où est la salle où on peut faire ça? Ah, on dirait que c'est bloqué. Ah, d'accord. C'est obligé de passer par la profonde caverne en fait. Ce qui est un peu bizarre. Ouais, un troll. Tout seul le troll? Bonjour troll. Allez hop. Pardon, je suis immunisé au. Ah, c'est le stade rouge. Laissez-moi passer, bande de foirés. Voilà. Alors par contre, ouais, j'ai moins de potions qui arrivent dessus, ça se dérange pas, merci. Voilà. C'est lui en fait qu'il faut tuer. C'est lui. Non, c'est le Stelzer. Ouais, bah alors attendez une seconde. On va refaire ça. Slap gris, un slap gris. Ah la vache. Slap gris. Tommy, meurs pas quand même. Si, tu vois pas de. Oui, bah j'ai mal fait mon truc moi. Ok. Allez. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus?
comprends pas grand chose à mon avis. C'est bon, le gris agonisant, je l'ai eu. Le rouge, critique sur le rouge. Bon, je le porte, ça va. Tommy est encore vivant? Je vais le soigner si c'est possible. Ah bah non, c'est pas possible. Bon bah tant pis. Eh, c'est vrai que j'ai mes 20 points de... Bon bah, j'ai fait une petite erreur, mais bon, c'est pas grave. J'ai oublié mes 20 points d'absorption de tranchant. Ah, j'ai pas vu les slades. Si j'avais vu les slades, j'aurais été un peu plus prudent. Ils m'ont tout pris là. Voilà, au revoir le troll. Voilà. Le mec il fait un critique à 29 le mec. Incroyable. Troll, ça nous en blessé. Et un petit critique. Voilà. Ah, langue de slade, pourquoi pas. Relangue de slade. Ok. Bon bah, y'a plus qu'un, hein, comme on dit. Pain. Je crois que j'étais immunisé aux maladies aussi. Poison et maladie, non. Juste au poison, je pense. Bon, t'es où, Il est là, Tommy. Voilà. C'était tellement étrange. Allez, viens avec moi. Oui, je sais, c'est tellement étrange, blablabla. On va aller voir notre ami Neurik. De soins, je suis malade. Voilà. Salut. Ah non, mais non. Salut. Salut à toi, Neurik. J'ai de l'équipement. Ça, c'est ce qu'il faut. L'arc plus de jeu, fiche. Les langues de slade, j'en garde une de côté. On sait jamais. Mais tout ce qui est flèche, bidule, machin, ça, c'est bon. Rappel à la vie, ça sert à quoi? Dans un truc où tu peux de toute façon sauvegarder. La miniaturelle pure 3, je la garde. Flèche de feu, flèche vampire, je suppose, ouais. Flèche vampirique, les saphirs. Ah non, ça par contre, je le garde. Ça aussi, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça, hein, ça. Ça, c'est des trucs que je garde aussi, les anneaux écarlates, etc. Tout ça. Je sais pas à quoi ils vont servir. Collier scintillant, c'est des objets magiques, c'est tout bête, hein. Mais on sait jamais. Moi, je préfère quand même prendre mon baguette de convocation. Barde, penseur solaire magicien. Super. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre projectile ici? Ouais, je vais mettre ça ici. Voilà. L'armure de corps plus 3. Pff, non, bah, je la vends. Mon prototype plus 3, je les vends. Parce que mode rapidité, il n'y a pas mieux quand même, hein. Pour l'instant. Enfin, je trouve un autre moyen d'avoir rapidité, mais je vois pas comment exactement, à part les potions, pour l'instant, pour que je préfère. Donc, j'ai des trucs, j'ai des clottes, c'est bon, bah c'est bon, y'a plus rien à faire. Y a plus qu'à dormir, à conjurer l'autre abruti, quoi. Pars. Ma chère Pars, non, tu n'es pas mon abruti. Non, non. Bon, ça va, heureusement que j'ai la ceinture de l'épéiste, hein. Parce que je dis pas toutes les griffes, etc., je serais mort, là, en fait. Alors les slades, faut détruire les slades qui sont pas conjurés. Faut détruire les slades qui conjurent en fait les autres slades rouges. Ça, j'ai fait l'erreur de... J'ai fait l'erreur vraiment de frapper d'abord les slades conjurés. Je me dis bon, on va pas me faire des dégâts. Mais en fait, avec leurs attaques divines, je sais pas comment ça s'appelle l'attaque qu'on fait comme ça. Je crois que c'est main divine. On fait tomber sur vous l'espèce de colonne blanche là. Ça a sonné tous mes compagnons. Donc ils peuvent rien faire. Alors que moi je suis immunisé aux attaques mentales, donc voilà. Et donc, on va conjurer notre ami, le tigre. Comme quoi, j'ai fait des erreurs quand même, hein. Vous voyez, c'est pas facile, hein, ce jeu. Si on n'est pas préparé, si on sait pas ce qu'il y a, on peut se faire surprendre. Mais heureusement, je me suis fait surprendre. Enfin, je me suis fait surprendre, mais j'avais la ceinture des pistes. C'est le seul truc positif là de la rencontre. Pierre sur les deux animaux, les sorts. Ah oui, tiens. Bon, c'est pas grave ça. On verra ça plus tard. Morsure aggravée. Autre pierre suprême pour moi. Protection énergie négative. Oh,
La morsure gravée, c'est, je crois que ça lui donne le pouvoir de faire comme si c'était une arme plus 5, sa morsure. Donc n'importe quelle créature... Non, je vais pas le faire sur elle, c'est dommage. Enfin, sur le tigre. C'est vraiment dommage. Bon, c'est un peu gros bide, j'avoue. Hop. Et on y va. 400 pièces d'or. Oui, je vais regarder s'il y avait des objets. Mais en fait, j'avais déjà regardé les objets du prêtre. Il n'y a rien de particulièrement intéressant, en fait. Bon. Continue, mais par là. Par contre, il y a... Ouais, bon, non. C'est des trucs de troll. Rien d'intéressant. Alors, il y a une grotte profonde caverne et profonde caverne, d'accord. Il semblerait que ce soit pas piégé. Bien que ça ne soit pas piégé nulle part. Ah, il n'y a personne ici, on dirait. Barthes, tu es où? Barthes? Elle est où, Barthes? Tu viens, Barthes, hein? Non, il n'y a pas grand chose ici. Il n'y a que la caverne, apparemment. Tu fais quoi, Parse? Ah bah la voilà quand même. T'étais où? Encore à faire... Hein? T'étais dans ta litière. Ouais, bah non, je vais commencer par celle-là en fait, pour faire une caverne. Là. Alors, si on résume bien la chose, pour faire une caverne, il va y avoir le dragon mort, ou un dragon qu'on peut tuer, donc on peut récupérer l'essence. On va voir. Caverne des Slades. Oh putain. Oh putain. Caverne des Slades. Pas bon du tout ça. Pourquoi est-il des slades ici? C'est pas lui. C'est lui, il faut tuer. C'est toi. C'est toi, voilà. Non, vous revenez. Vous attaquez pas. Vous osez rien ça? Oh putain. Merde. Allez. Pause là, on va faire regarder les copains ici. Ouh, c'est un seigneur des slades funestes. Vache. Et réapparaît un petit peu là. Pas lui faire de dégâts en plus. Ah ça y est. Allez hop. Voilà, adieu. Qu'est-ce que foutaient ces slades ici? Moi je récupère, mais faut que je soigne mes petits copains. Par exemple Tommy. Le druide. Ah oui, je soigne bien. Et puis ma chère petite Barthes. Nourrir le compagnon. C'est bien ça, nourrir le compagnon. Ça évite quoi. Qu'est-ce qu'il a laissé lui? Les rituels de Claude, ok. Donc il y a un truc avec Claude ici. En rapport avec Claude. Voyons voir s'il n'y a pas un piège sur ce coffre. Hein. Je dirais pas. Ah, si. Oh putain. Oh putain. Bâton magique, bon, pourquoi pas. Ah, pas mal, mais seulement un forceur magicien, donc bah, c'est réglé. On va pouvoir courir, quand il n'y a pas d'autre coffre, donc on sort. Ici il y a quoi? Rien. Ouais, c'est celle de rituel à mon avis.
Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'en... pas de truc particulier, je pense. Ici, c'est juste la salle des slades. Voilà. C'est pour découvrir, si on l'a pas découvert dans le truc au-dessus, je vais découvrir le livre de Cloth. Mais il était sur le géant. Comment on aurait pu éviter le géant? C'est pas possible. Donc c'est un peu bête. Donc cette caverne ne servait à rien. Juste à foutre les protections des joueurs en l'air. Alors, ouais, deuxième grande caverne, alors. Ouais, j'adore les décors de lave, quoi. Je sais pas pourquoi, je suis fanat des décors de lave. Ça me rappelle les films hollywoodiens, à grand spectacle. Je sais pas pourquoi. Allez, on va descendre ici. On va descendre ici, on va sauvegarder, parce qu'on a un énorme pétocheux. Voilà. Je pense que c'est là qu'il doit y avoir la... Donjon du dragon. Prêt, tu vois, ouais, les prêtres sont là, ils font leur truc ici. Ouais, il y a une piédestal d'ordre dragon. Ok. Bon, ça va être chaud, les gars. Ça va être très très chaud. Tommy, t'as vu, il y a un piège sur la porte. Ah, merci. Faut y aller, Tommy. Hein. On peut faire, c'est se mettre en invisible. Hey, c'est fait. Tous, je crois qu'on a assez de potions. Voilà. Invisible. Ok. On va faire une petite sauvegarde ici. Là. On va voir ce qu'il y a. Et vous restez avec moi, hein. Me protéger. Voilà. Ah, on va le sacrifier, lui, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'on va le sacrifier. Ah, là-bas, il y aura une... Allez. J'ai peur, c'est un mammifère, on est... Tu rêves ou quoi? On va appeler ça un mammifère. Voilà, ils sont morts. Ici, il y a d'autres encore. Fontaine, c'est dans la fontaine. Il y a l'orbe sur le dragon. Paf, oui, d'accord. Est-ce qu'il voudra se laisser sacrifier? C'est ça qui est important. Bon, bah parlons au dragon bleu alors. Mais avant, le dragon bleu, on sauvegarde. Parce qu'on a un pétocheux. Pétocheux, c'est moi. Faim, nourriture, manger, faim. Ah oui, c'est vrai, il a grandi en moins de 2 secondes. Ouais. Je peux vous poser quelques questions? Nourriture, de la manger, faim, nourriture. Ouais, pas trop mal pour un dragon, hein. D'accord, je permets de vous tuer pour éviter d'être impitoyable. On peut dire que vous avez la suite dans les idées. Enfin, mangez au docteur à manger. Oui, à part ça, on prépare à mourir, Dracossir. Je peux vous poser quelques questions. Nourriture? Nourriture, donne à manger faim, nourriture. Je permets de vous tuer pour vous éviter d'être impitoyable. Pas nourriture, faim. Ok. Oui. Sphère de dragon. D'accord. Comment on fait? Enfin, on peut l'attaquer, mais préfère mourir, ça serait aussi. Ok. D'accord. Bon bah, on va essayer. Voilà pourquoi. Prends ça. Allez. Je pense qu'il faut faire un... Non, je pense que c'est pas bon. Je pense qu'il faut faire un truc avec le... Faut faire un truc avec la sphère, je pense. Ouais, c'est pas bon du tout. Il y a un truc avec la sphère, c'est trop facile.
Ah quoi que, dragon peut le blesser. Ouais, blessé. Ouais, ça va. Non, je crois que je vais la charger, je vais recharger parce que la sphère devait faire quelque chose. C'est pas de l'acide qui vient normalement le dragon, c'est l'électricité. Ah, sérieusement blessé, renversement touché, ok, top item. Il fait mal de ce qui. Voilà. Ouais, c'est bon, je vais y arriver. Un guerrier devrait y arriver super vite quoi. Et eux. Ah bah en plus voilà, bah voilà. N'importe quoi Tommy. Allez. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Lancer un sort. La spéciale des sorts, incantation défensive. Non. Non, non, c'est pour le druide ça. Peut-être qu'il fallait lancer un truc quand le dragon était là, je sais pas. On va recharger. Hein. Charger de partie. Voilà. Charger. Oui. Pire. Voilà. La sphère. Sphère de dragon. Regardez un petit peu ce qu'il y a autre chose. S'il y a autre chose ou pas. Alors déjà il y a le journal du cultiste, ok d'accord, il y a... Alors... Notre victoire contre un dracocyre juste éclos, dans la croissance est accélérée par des sorts de enchantement, une bête dans l'esprit est encore vite et pure. Eux seuls ont la vitalité et l'énergie, blablabla. Il faut amener le piège à la créature à absorber le centre... absorber au centre de la salle du rituel. Et la sphère de dragon doit être placée sur le piédestal, d'accord. Putain, faut que je me réveille moi. Allez hop. Ah, il faut tuer le dragon avant et ensuite faire le truc. Donc, charger une partie. Chapitre 3, voilà. On charge la partie. Ok. Non, mais il faut que mes neurones s'enclenchent. Hein. Faut que mes neurones s'enclenchent. On va poser la sphère ici. Ah, non, non, on va dire on va tuer le dragon d'abord. Comment on pourrait faire pour que tout le monde ait. Quoi? Puisse aller vite avec le dragon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai plus de potion de rapidité. Bon monsieur, potion de rapidité pour monsieur, potion de rapidité pour monsieur. Et on attaque. Allez les gars. Allez. Bah d'accord. Suis-moi ici toi. Voilà. Critique, voilà. Bon c'est bon les gars, vous avez peur là? Toujours peur? Heureusement que j'ai maintenu contre des énergies, c'est bien. À mon avis il est immunisé au... Je vais faire ça aussi tiens pour la peine. Voilà. Quand tu veux l'attaque hein. Parce que ça suffit quoi. Ah il est encore plus blessé là, c'est bon. Allez, touche un peu quand même là. Heureusement que le... J'ai pas de potion de... Il sort qui permet de... Les gars ça va? Je gère pas trop hein, j'espère. On vous le dit si je vous dérange hein. Heureusement qu'ils attaquent. Oh putain, il a fait 37 points de dégâts là. 43 points de dégâts, mais il est malade. Oh putain. Allez, sérieusement blessé, faut le faire les gars. Faut le faire. 56, mais ils sont malades. Il est malade ce dragon. Aïe. Aïe. Putain, même avec les... Même avec les trucs, c'est du délire.
Ah bah voilà, mort. Charge est parti. D'accord. Chargé, chapitre 3. On y va. Non mais les gars, où ? Ouais. Bon. Faudra voir pas déconner non plus les gars là. Hein. Alors. Les potions de guérison suprême. Antidote. Restauration partielle. J'en ai plus 4. Invisibilité. Potion de clarté, j'en ai 3. Eh ben on va le faire avec ça. Putain de dieu. Mais il est où Tom? Tommy? T'es où? Ok. Ah bah il est toujours invisible lui? Ah bah oui d'accord. Tommy. Ouh. Incroyable. Parse. Voilà. Je vais pas lui donner, je crois pas. Bon allez, on a pas de temps à perdre là. On y va. Allez. Allez, option de clarté, là, faites votre fait là. On a 10 routes normalement là. Il s'y met ou pas là, père Ah bah d'accord, il y a que je vais le comprendre, je comprends mieux maintenant. Allez là. Bon bah. Alors refaire le pas plusieurs fois. Je vois pas trop comment faire. En fait, j'avoue. Il est sérieusement blessé, c'est bon là. Allez, c'est bon. Ça devrait le faire là. Allez les gars. Agonisant. C'est bon. Wouhou! C'est chaud hein. Voilà. Ah bah dis donc. Pas de sinécure hein. Ah Tommy. Dérange pas trop. Enfin bon, allez. La sphère ici. Voilà, un petit dragon mort. C'est bon. Et bien non, il a fallu que mes neurones me bougent un petit peu quand même hein. C'était chaud hein. Ouais, on va se reposer là. Parce qu'après on a un dracocyre à côté. Ah oui, j'ai cherché des potions de clarté. Zut, caca boudin. Bah, je vais le faire. J'ai regardé ce qu'il y a en plus dans la boutique pour se protéger contre les trucs de l'esprit. Ah, j'ai potion de rapidité juste là. Et là, lance féline, potion de guérison suprême. Ouais, bah, un dragon, si un draco cire rouge, ouais, je vais faire des gros achats quand même, hein, en potion. Je pense. Viens par ici, petit. Allez, Norik. Viens nous aider, besoin de soins, non. Achète d'équipement, oui. Alors, qu'as-tu nous proposé? Défense plus 3, mais j'ai ce qu'il faut. Protection plus 3. Donc, le niveau des armures plus 3, mais il n'a pas la truc qui correspond à ce que je veux. Alors, les potions. Clarté, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 potions de clarté. Miam. Potion de soins suprêmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ouais ça devrait suffire je pense. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, du plus 6, hein, c'est ça. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, quelqu'un pourrait m'aider à porter, ouais. S'il vous plaît. 14, c'est toi. Alors, hop, voilà.
Par contre, alors, on va vendre ça. Ah merde, c'est quoi que j'ai vendu ? Un autre cuivre, oui. Un autre protection plus 3, blablabla. Un seul dragon épuisé, non. Ça, c'est bon, je garde. Tout ça, je garde. J'ai pas fait beaucoup de trucs différents. Bon, j'ai 10 potions de guérison suprême. 10 premiers secours plus 6. Je vais prendre du plus 10, mais il y en a pas ici. Quoi. Il n'a pas assez de. Il n'a pas d'autre chose, lui. Donc, moi, je vais revenir dans le donjon. Vous voyez, je franchis le portail, blabla. On va aller à l'ouverture. On va sortir de là. Allez, les gars, on y va. On va sauvegarder une première fois pour être sûr. Parce qu'on est des pétocheux. On va aller là. Oh putain! Il a bien fait ce. Oula! Putain! Heureusement que j'ai 10 de... d'encaissement. Hein. Enfin, 20 d'encaissement, je veux dire. Quand tu veux, Tommy. Hein. Tommy! Qu'est-ce que tu fous, Tommy? Les actions de base, c'est bien. Aïe! Critique à 48 points quand même. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai autorisé les critiques, hein, je rappelle, dans cette partie. Pour les PNJ. Ah, bah d'accord. Tommy, tu vas venir. Il est bloqué, Tommy. Donc il y avait un champion géant du feu qui était là. Eh ben. Y'a pas d'autre, c'est bon. Ouais, ok. On va mettre 3 rochers ici pour bloquer. Je trouve ça un peu bizarre, hein, c'est difficile de couper, hein, avec de pas mettre de connexion, quoi. C'est vraiment bizarre. Peut-être pour que les géants puissent y aller plus facilement, mais bon, c'est bizarre. Allez, hop. Ouais, bah j'avais déjà reposé. Ah, heureusement que j'ai ma ceinture des pays, c'était 20 points d'encaissement. Hein. Sinon, je passais pas le champion. Là. Un guerrier peut le passer, je pense. Un guerrier peut le passer s'il a une très bonne classe d'armure, s'il est à fond, enfin, il est à fond au niveau de sa grosse plaque d'armure, sa armure de plaque plus 3, bouclier plus 3, pavois. Il a une épée magique machin, bon voilà quoi, il peut le faire. Mais moi là, tout seul, impossible de passer, je pense. C'est ça qu'il faut que j'ai mes sorts et mes compagnons. Bah, c'est le truc du jeu quoi, c'est comme ça. Conjuration, ok. Éveil pour Pars. Protection contre la mort pour moi. Peau de pierre pour Tigre. Tommy. Et Pars. Morsure gravée pour Pars. Peau de pierre suprême pour moi. Peau d'écorce pour le tigre. Peau d'écorce pour Pars. Force du taureau pour le tigre. Force du taureau pour Tommy. Force du taureau pour Pars. Et force du taureau pour moi. J'ai oublié quelque chose, je crois. Ah, ça n'a pas été fait ça. Tiens. Bon, bah. Protection énergie destructrice. C'est pour du fantôme. On peut pas le faire sur les autres, c'est dommage. Ça sera un sacré avantage. Bon bah, voilà. On est devant l'antre de Smoke, sauvegardé. Schwarzlam chapitre 3. On sauvegarde. Le pétocheux sauvegarde une nouvelle fois et on entre. Tanière de Cloth. Oups. Ouais. Sur les côtés, y'a rien. Bravo, superbe. Ce qu'on appelle détecter les pièges. Ouais. Pas un piège à trouver là, non? Le tigre a déjà pris des dégâts, mais j'y crois pas. Ah, si. Bien content. Ah bah oui, à chaque fois qu'on ouvre la porte. Super. Ouais, bah, un petit soin sur le tigre. Farce. Ah oui, bah je suis bête. Des potions, on peut savoir qu'en faire. Ok. Des potions de soin, ça va le faire. Sur le tigre aussi.
troisième pour moi. Tommy, ça va, tout le monde, ça va. Attention au piège. Encore une porte avec, je suppose, un piège de feu. Le tigre, il manque 9 points. Attention, la boule de feu. Voilà. Attention au piège possible là. Ah, voilà Claude, hein, j'ai l'impression. Piège juste derrière. J'ouvre la porte, à mon avis, il y a un piège. Eh bah oui, voilà. En fait, si t'es pas un dragon du feu ou une créature de feu, ou si t'es pas immunisé contre le feu, t'es mal. Je tiens à le dire, tu es mal. Alors, petite potion pour le tigre. Petite potion de bénédiction. Potion de soins légers. La bénédiction va pas durer longtemps, je crois que c'est sirop de grand bax. Bon ben. Tommy, toi c'est ce qui te reste à faire. Mais que peut faire Tommy pour vous? Bah tu pourrais par exemple faire le piège qui est devant nous par exemple. Sans problème. Tu vois, il y a un piège devant nous là. Allez, piège. Tommy, piège. Ah peut-être que c'est le tigre t'empêche de passer peut-être. Et mince, la bénédiction repassée. Et j'ai plus ma protection contre les énergies destructrices. Ouh, ça va faire mal. Je sens que ça va faire très très mal. Ça va être chaud. Bon bah, on y va. Hein. Peut-être sauvegarder avant. Hein, voilà. Salut à toi, Claude. Mon cher Claude. Ton prénom, c'est pas François? Claude François. Hein. Quelle joie, mon ami! Salut! Enfin, vous êtes venu! Vous êtes venu. Je suppose que mes serviteurs, les géants du feu, sont morts. Qu'importe, ils sont sans importance. Je peux trouver d'autres serviteurs. Oh oui, oui, on va vous servir. Peut-être même que vous me servirez. Je suis Klaus, Dracrossir du Nord. Oui. Le plus vieux de tous les dragons. La plus puissante des créatures mortelles à fouler la terre des royaumes. T'es vieux, quoi. Ma puissance et mes connaissances ne connaissent aucune limite. Approche, je ne te ferai pas de mal. Ces derniers jours des âges de ma vie s'écoulent lentement, et j'aimerais te parler pour en briser la monotonie. Comment connaissez-vous mon nom, cher ami? Je suis aussi vieux que le temps, je commande à la sagesse infinie de l'éternité. Un petit peu modeste aussi, hein? Votre nom et vos exploits me sont connus, Alparslan, et je m'en souviendrai bien après que l'histoire vous aura oublié. D'accord, et qui êtes-vous? Je suis Cloth, Dracrossir du Nord. Ok. J'aimerais certainement vous poser des questions. Je suis Cloth, l'ancien Dracrossir, je connais les secrets. Je sais même que vous cherchez les mots de pouvoir, héritage de la race créatrice, pour sauver la ville que vous appelez Panhiver. Ouais. Parlez-moi des mots de pouvoir. Ah, ouais, ok. Les mots sont très anciens. Ils ont été façonnés par la race créatrice quand j'étais encore jeune. Le pouvoir des mots est énorme. J'ai même cru à une époque que leur seule magie pourrait suffire à me faire vivre. Mais j'en sais plus aujourd'hui. La magie des mots m'est inutile pour prolonger ma vie, aussi le mien reste-t-il dans mon trésor. Aussi insignifiant que tous les autres trésors matériels que j'ai récoltés au fil des âges. Je sais que tu désires le mot, Alparslan. Il ne me sert à rien. Je te l'offre donc, en échange. En échange? Échange de quoi? Je ne désire qu'une seule chose, rallonger ma vie.
Je mène de sombres rituels pour nourrir mon essence, et pour cela j'ai besoin des œufs d'autres dragons. Amène-moi ces trésors et tu auras le mot de pouvoir. Où puis-je trouver des œufs de dragon? Dans le nid d'une femelle dragon, bien sûr. Je sais qu'il en reste quelques-unes dans ces montagnes. Ramène-moi des œufs de dragon et je te donnerai le mot de pouvoir. Je vais y réfléchir, mais il me reste quelques questions à vous poser, cher grand, haut, magnificent, dracocire, cloth. Posez votre question et j'y répondrai peut-être. Et parlez-moi de la rescatrice, par exemple. Qui sont ces gens? Cette terre n'a pas toujours été de glace et de neige. C'était autrefois une jungle étouffante, dirigée par une puissante et impitoyable race d'hommes lézards, qui forçait les créatures inférieures, humains, nains et elfes, à la servir en tant qu'esclaves. Mais la terre a changé, le monde s'est refroidi, les anciens sont morts et sont devenus une légende oubliée dans les brumes. Il ne reste que l'héritage de leur gloire, les mots de pouvoir. Savez-vous quelque chose au sujet de Beaugrim et de son culte? Beaugrim et son culte ne sont rien, une simple goutte d'eau dans l'océan de l'histoire. Ils rêvent de grandeur, de l'héritage de la race créatrice et revendiquent les mots de pouvoir. Mais ce ne sont que les rêves d'un fou. D'accord, continuez. Ces gens sont venus à moi cherchant les mots de pouvoir, mais je les ai renvoyés. Beaugrim est aveuglé par l'ambition, consumé d'une soif de pouvoir démente. J'ai trop à perdre à faire affaire à un fou. D'accord. J'ai ici une sphère spirituelle. Ouais, il faudrait que je lance peut-être un truc sur eux, peut-être aussi. Pour les protéger contre la... Alors, est-ce que je peux le faire sans briser la... Potion de clarté. Potion de clarté. Et merde. Potion de clarté. J'ai ici une sphère spirituelle. Ah, une sphère spirituelle contenant déjà l'âme d'un dragon adulte pour que je n'en puisse m'en repaître. Donnez-la-moi et je vous récompenserai par une montagne d'or puisée dans mon vaste trésor. Tenez, prenez la sphère. Ah, voici votre récompense, Arpaslan. 5000 pièces d'or. Maintenant, je dois savourer cette douce essence de vie. Trahison ! L'essence corrompue d'un dragon mort. Vous allez mourir. Bébé. Allez, frappe. Ouais. Allez. Et mince. Ça va faire mal, là, tout là. Ouais, je le sens. Agonisant, allez, il faut y aller, les gars, faut y aller, allez. Allez. Allez, 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 les gars. Il est agonisant, on y va. Allez, on y va! Allez, parse, faut y aller là! Oh, bah, mise à mal! Et oui, je crains que cette petite soirée soit interrompue, mon cher! Ah merde, j'ai... Comment vous oubliez ça, moi? Prends pas de dégâts, la vache! On était à faire un 20, quoi! Hein. Ouais, bah écoutez, on va essayer de faire ça. Potion de machin. Potion de rapidité, c'est pas la peine. Invisibilité, c'est pas la peine non plus. On peut faire quoi d'autre? Pas grand chose. Bon bah, on va essayer quoi. Allez. Va falloir que je fasse très fort. Oh la vache, putain, c'est gore, il est gore. Il régénère ou quoi? Il y a
combien de sorts, enfoiré? Allez. Ah oui, d'accord. Donc, il va falloir que je prépare un peu mieux quand même. Hein. Comment je pourrais préparer un peu mieux cette histoire? Regardons mes sorts. Eh, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Déjà, faut que tout le monde, faut que personne n'ait peur. Faut que j'ai un truc contre les énergies destructrices aussi, donc peut-être se reposer là, voilà. Je vais essayer peut-être le... un sort plus puissant. Mais il a l'impression qu'il est immunisé au sort, alors il faut que je convoque une créature plus intéressante. C'est quoi? Fais voir. Là, le truc que j'ai fait sur lui, ça n'a pas marché. Vision lucide, mort rampante, aura de vigueur, mise à mal, tempête de feu. Tempête de feu, ça m'étonnerait que ça ait quelconque intérêt. Alors, 6ème niveau. Convocation de créature ou sac de guérison, peau de pierre suprême, divination suprême, régénération, noyade. C'est quoi? En sorte de sort, génère de l'eau dans les poumons de la cible, la créature perd son contrôle. Oui, mais c'est, ça aura pas de. Ça aura pas d'intérêt. Sans tampon d'énergie, c'est bien ça. Question de créature, c'est de grison. Créature dans la zone d'effet, récupère un débit de points plus 1 par niveau du lanceur. Les sorts de soins sont sans effet contre les morts vivants et inflige des dégâts de vœux. Ok. Dissipation suprême, bon, on s'en fout un peu. Bon, c'est 4ème niveau pour les pots de pierre. Ah, mais il est intéressant peut-être. Camouflage de masse, colonne de feu, dissipation de la magie, soins importants, non. L'obligation de monstre, ça marchera pas sur lui. Donc non, il n'y a rien qui marche. 5ème niveau. Soin intensif, pression contre la mort. Exécution, résistance à la magie. Ah, résistance à la magie, tiens. Pourquoi pas. Ah bah non, ça je le garde. Tempête. Ah bah tempête de glace, ça marche pas sur lui, alors comme ça, hein, c'est clair. Pression contre la mort, d'accord. Éveil, il s'agit du hibou, inferno, régénération monstrueuse, bosquet de lierre. Non. Ouais, bon bah, exécution, c'est quoi? Faire un jet de sauvegarde ou mourir. Ah d'accord. Ok. Et même si elle rate son jet, elle récupère. Ouais, d'accord. Bon, non, bah, éveil, c'est mieux. Domination animale, protection des énergies. Ouais. Mais j'ai fait. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Tampon d'énergie, c'est quel niveau? Tampon d'énergie, c'est à quel niveau? Au 6ème, je crois, tampon d'énergie. J'enlève ceci, voilà. Il sert plus à rien de toute façon. Je mets tampon d'énergie. Et ça, l'éclair, ça sert à rien sur le dragon. Donc je leur mets des protections d'énergie au 3ème niveau. 1, 2, 3, voilà. Ça en fait 4 sur eux. Ah, faut tout penser, hein, faut tout penser. Hein. Force de taureau, blabla. Dimension, restauration partielle, résistance, énergie destructrice, c'est déjà fait. Union que la terre, convocation de créature 2, folie meurtrière. Mais c'est quoi, folie meurtrière? Lanceur de sort dans une rage semblable à celle du barbare, il bénéficie d'un bonus de plus de sa force, sa constitution, et plus 1 à ses jets de volonté, subit une qualité de moins 1, ça sert. Ouais, bah autant l'utiliser. Hein. Alors j'enlève ça, ça n'a aucun intérêt face aux de créatures maintenant. Un rage machin. Invasion animal, fouet de feu, non, charme personne, force de taureau, peau d'écorce. Bon, peau d'écorce, ok. Allez, on se repose. On va essayer. Pourquoi il n'y a rien en F7? J'ai enlevé le sort, je pense. C'est pour ça. Voyons, voyons. Ok, donc j'ai enlevé ça. J'ai enlevé ça. J'ai enlevé ça. En fait, on peut travailler pour lui, en fait. On peut lui ramener des autres dragons. Et en échange, il nous donne le mot de pouvoir. Donc on peut tuer un dragon, en fait. Mais bon, c'est chaud quand même. Hein. Faut tuer un dragon. Hein. Alors... voyez un petit peu les sorts. J'avais dit que je prenais donc 7ème niveau le conjuration 7 que je mets à la place de conjuration 6. Le tampon d'énergie que je mets à la place. Ah non, ça c'est bon. À la place de rien du tout. Je mets là, tiens, pour la peine. Le protection c'est bon. Ça c'est fait.
Résistance à la magie. C'est résistance à la magie que je dois mettre aussi. Donc je vais mettre là. Ça c'est fait, je l'ai déjà mis. Deuxième niveau, la force bidule. Bon, on va essayer comme ça. Hein. On va conjurer déjà. Quel élémentaire on va conjurer déjà? Ah, c'est malin, on est mort d'élémentaire de feu. Allez, on se répose à nouveau. Quoi qu'il fait des dégâts, pas de feu, il fait des dégâts aussi frappants, contondants en fait quand il frappe. Mais bon, sur le dragon, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de dégâts. C'est logique que je conjure un truc de feu dans un truc de lave à côté, mais quand même. Ah ouais, mais c'est chaud là, c'est chaud les gars. Alors. Bon, bah, ce sera un feu alors. Ok. Alors, résistance à la magie. Protection contre la mort. Tampon d'énergie. Éveil sur Pars. Boutière suprême pour moi. Morsure magique aggravée pour Pars. Protection énergie destructrice. Bon, le. Je pense pas qu'il crée grand chose le. Bidule, on sait jamais. Force. Peau de décor sur les normes. Peau de pierre sur Tommy. Peau de pierre, j'ai pas besoin de faire. Alors, quoi d'autre? C'est pro fantôme. On s'approche. Et on fait. Clarté sur l'élémentaire, clarté sur Tommy, clarté sur Pars. On parle à Claude. Continuez. Tenez, prenez la sphère, continuez. Fin du dialogue. Allez, on y va. Allez, attaque! Allez, faites-lui mal. Attends, on voit qu'on n'est pas des. On n'est pas des. Des agonisants, allez les gars. Allez, vous avez de la protection contre ça, allez. Vous pouvez le faire. Vous pouvez résister encore un peu, allez. Allez, agonisant, allez, on y va. Il est agonisant les gars, il est agonisant. Allez, pars, il va mourir, mais c'est pas grave. Allez, faites-le, finissez-le. Allez, finissez-le. Allez. On va faire un petit truc sur Tommy quand même. Allez. Bon, bah d'accord, Tommy est mort. Ah, yes. Yes. Wow. Fouh. Tête de cloth, clé de cloth, le sang de dragon, voilà. Ouh, c'était chaud hein. Bon, par contre, il va falloir chercher Tommy. Je sauvegarde tout de suite. Hein. Voilà, hop, voilà. C'était chaud hein, c'était chaud, j'avoue. Quand on n'a pas la puissance d'un guerrier avec le guerrier, il a un bonus au toucher qui est monstrueux. Quand on n'a pas cette puissance là, on repose sur des 18, 19, 20 quoi en fait pour toucher le dragon quoi. C'est un peu, enfin voire même des 20. Et c'est un peu chaud quoi. Allez hop, peut-être que j'aurais dû me transformer en ours. Ça se trouve j'aurais eu plus de toucher et plus de dégâts. Possible aussi, hein. Faudrait que j'essaye un jour peut-être, si je veux. Voilà. Non non, m'en fous. Touche toi. Bah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais rapatrier mon petit Tommy. C'était tellement étrange. C'est pas grave, allez. Viens. Besoin de toi pour ouvrir des choses. Je vais te faire avaler une potion de grâce féline, tu vas voir, ça va pas traîner. Sur Tommy. Allez. Où se trouve le trésor? Ah, ça doit être ici à mon avis. Il doit être là le mot de pouvoir, je pense. Est-ce qu'il y a des pièges? Alors le. 88 points de vie quand même. Faudra que je repasse tous mes sorts en fait d'ailleurs.
On va voir. Ça marche, je suis un élémentaire de feu, c'est beau. Les soins. C'est bon, pas de piège là, c'est sûr? Recherche. C'est sûr, y a pas de piège. Hein. Bon bah, on va y aller alors. Ok, arrêt du temps, blablabla, vision suprême, armure, non identifié, une armure en truc de dragon à tous les coups. Ce serait super pour un guerrier, mais bon, voilà quoi. Vous m'avez compris? Hein? Alors ici, il n'y a pas non plus, t'es sûr? Bon bah, on va ouvrir. 4500 pièces d'or, ok. Ici, pareil, je suppose qu'il n'y a pas. De toute façon, je pense qu'il n'a pas besoin de fermer la clé et mettre des pièges sur ces trucs, hein, le père Cloth, à mon avis. Voyons voir, est-ce qu'il y a une piège sur cette porte? On va attendre un peu. J'ai même pas fait Frenzy! Ah, les boules! Hein. Polymeurtrière là, j'aurais dû lancer Polymeurtrière. Tant pis, c'est pas grave. Coffre qui n'a pas l'air fermé non plus. Bon, en fait, elle a la seule vue du gardien de toute façon aidait à Claude à garder son trésor. Hein. T'es sûr, hein, y a pas de. Vous êtes sûr, les amis? Y a pas de piège, hein, je peux ouvrir. Sûr et certain, hein? Eh ben, on y va. Ou un cimetière. Oh, dites-moi que c'est un cimetière. Le pouvoir, ok? Vous avez bien agi en trouvant le deuxième mot. Oui. Sa puissance alimente mon sort pour que mon image puisse vous parler par l'intermédiaire de cette vision. Il vous reste beaucoup à apprendre de moi. Qu'avez-vous à me dire? Mokrim n'est qu'un idiot. Il ne comprendra pas vraiment ce qu'il cherche. Les mots sont plus anciens que l'on ne peut l'imaginer. Ils renferment un pouvoir qu'il ne soupçonne même pas. Vivi. Continuons. Je suis Aedraline. Ben, je sais. Cheftaine des esclaves des mots. Et oui, je sais. Et j'existais déjà alors que le monde était chaud et que cette terre n'était que jungle dominée par les anciens. Et en quoi cela me concerne-t-il? Humains, elfes et nains étaient esclaves de mon peuple, la race des créateurs, tout comme j'étais une esclave moi aussi, mais asservie par le pouvoir des mots. Jusqu'à ce que mon peuple s'éteigne et que l'hiver sans fin s'abatte sur le monde. J'adore la quatrième réponse. J'espère que vous ne me racontez pas tout ça uniquement pour me faire mourir d'ennui. Pouvez-vous me parler de la disparition des anciens? Le monde s'est refroidi et la jungle a péri. C'est dommage. La neige et le givre ont recouvert le sol. Quelle misère. Malgré leur immense pouvoir, les maîtres n'ont pu inverser ce changement. Ils ont disparu de la surface du monde. Avalé par cette terre qui s'était retournée contre eux. Si votre peuple a totalement disparu, comment avez-vous survécu, vous? Même quand les anciens ont disparu, les mots sont restés. Et avec eux, les esclaves des mots, puisque nous étions liés à leur pouvoir. Nous nous sommes retrouvés, obligés de vivre dans un monde gelé et de préserver l'héritage de nos maîtres. Beaucoup d'esclaves des mots sont morts avec l'hiver éternel, mais certains ont appris à survivre dans la lande glacée, cachés des races inférieures qui nous chassaient. Pour survivre à ce que les maîtres craignaient. Qu'est-il arrivé au mot de pouvoir quand les anciens ont disparu? Au fil des siècles, les mots se sont peu à peu endormis. Leur pouvoir a décru. Dans le même temps, nous sommes devenus plus forts et nous avons réussi à nous détacher d'eux.
Libérés de l'emprise, nous avons éparpillé et caché les mots afin que jamais ils ne puissent nous asservir de nouveau. Mais des milliers d'années se sont écoulées depuis, et nous ne savons plus où nous les avons mis. Ah ben d'accord, pardon. Dragon, Dracor, etc. J'ai mélangé Dracor. Qu'est-ce que cela a à voir avec Maugrim ? Maugrim cherche à réveiller le pouvoir enfoui des mots afin d'asservir tout le monde. Esclave des mots, humains, nains et elfes. Maugrim veut devenir le maître suprême. Merci beaucoup, Draline. Je n'aurais jamais deviné que Maugrim cherchait à contrôler le monde si vous ne m'aviez pas raconté votre petite histoire larmoyante. Je n'y arriverai jamais, je l'arrêterai, dis-je, bien sûr. Maugrim est déjà perdu. Les mots ont pour fonction... première de libérer une terrible menace. Maugrim est déjà perdu. D'accord. Les mots ont pour fonction première de libérer une terrible menace afin de massacrer ceux qui ont survécu aux changements qui ont tué les anciens. Oui. L'épidémie n'était que la première des plaies que les mots vont libérer. Oh, ça va chier. Si Maugrim arrive à mener son plan à bien, le monde tel que vous le connaissez cessera d'exister. Tel est l'héritage des créateurs. Pardon. Les mots vont... Non ! C'est impossible ! Morag ! Morag ? Morag ! Elle m'attaque ! Mais c'est impossible ! Elle me meurtrit par l'intermédiaire des mots. Mon sort de projection va... Oui. Ah bien, votre sort levé, je pourrais peut-être enfin quitter cette stupide pièce. Morag ? Qui est Morag ? Dites-le-moi avant qu'il soit trop tard. Non ! Ah, d'accord. Bon ben... Ok... D'accord. Alors, le cimetière, j'en étais là, moi. J'ai pas de potion ! J'ai pas de potion ! Non ! J'espère que c'est un beau cimetière. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, mot de pouvoir obtenu... Et j'ai pensé à un truc après, mais je suis trop bête, quoi. Je suis trop bête. Il suffisait que je retourne à la ville, je prends le barbare là qui tape comme un bourrin, comme compagnon, je reviens ici, je bute le dragon, je reviens, je reprends Tommy. Voilà, c'était simple. Bon, je voulais faire plus roleplay, c'est sûr, hein, mais c'était quand même plus simple. Hein. le barbare, il l'aurait bourriné en deux secondes, quoi. Tu rends trop bête. Surtout que son hache, sa double hache, là, il serait niveau 13 lui aussi, il taperait trois fois par round, enfin bon, terrible. Bon, je crois qu'on a un portail pour sortir. Voyons cela. Ah bah oui. Épine dorsale du monde. Bravo. Ils ont pensé à tous les gens. Bah j'ai plus rien à faire là. Ah si, il faut que j'aille parler au dragon d'or. Je me souviens. Allez, faut y aller. Allez. Pour lui mettre la tête de Claude. Hein. Lui remettre la tête de Claude. J'espère qu'il va donner quelque chose d'intéressant quand même. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Allô. Rien qu'avec la musique, on sait que c'est un dragon bénéfique. Enfin, du bien. Un dragon de couleur. Un dragon de métal. Coucou. Je sens... Ah. Je sens le sang. Autre chose. Vous avez la tête de Klaus, le dragon rouge. Donnez-la-moi, que je puisse avoir la preuve de sa mort. T'inquiète pas, je t'ai donné une seconde. C'est un honneur pour moi de vous remettre la tête du grand verre, puissant Gorgotha. Puissante d'ailleurs. Waouh. La terreur que faisait régner Klaus a pris fin, ses séides n'attaqueront plus ma tanière. Le pouvoir maléfique du Dracocyre est brisé. Yay! Nous autres dragons répugnons à nous séparer de nos trésors, mais tu as mérité ta récompense. Voici le premier de tous les trésors que j'ai récoltés. Je te remercie de ce généreux présent, ou, Bison Gorgotha.
À présent, petit héros, que puis-je faire d'autre pour toi? Prépare-toi à mourir, reptile. Non, non, merci, non. Bah, je dois partir maintenant. Merci pour tout, Gorgota. Ciao! Alors partez avec bénédiction, petite créature, bénédiction. Je vous ne remercierai jamais assez d'avoir tué Klaus et sauvé mes œufs. Oui, des gros œufs partout. Bon, ben voilà, c'est déjà fait, ça c'est fait. Donc on va pouvoir rentrer à la base. Hop, et puis je vais réorganiser mes sorts surtout. Après avoir monté le niveau. On va aller voir. J'ai bientôt pas trouvé Guzud, hein. J'ai pas trouvé Guzud. Je n'ai pas trouvé Guzud. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Le procès de Rogan, ça a été fait. Irenax, ça a été fait. Le mot de pouvoir, je suis en cours. Ligne d'approvisionnement, je sais pas où je trouve Guzud. M'énerve. Bon, allez hop, c'est parti. On va lui rapporter le deuxième mot de pouvoir. Ranger comme ça, voilà. On va se reposer. Quelqu'un pourrait m'aider à porter, s'il vous plaît? Non. Tu n'as pas le droit à être aidé, oh Albarslan. Voilà, c'est fait. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah non, c'est la force que je voulais, merci. On va aller voir le petit. Ah bah non, c'est pas ça. Oups. Scoozy. C'est là. Donc la mercenaire. Cabine d'Aringen. Bah non, c'est là. Voilà, Arind avec les. Le mot de pouvoir. La ville de Padivert a à tout jamais une dette envers vous pour avoir retrouvé le premier mot de pouvoir. Ouais. Mais le moment est mal choisi de nous appesantir sur les sujets. J'ai un des mots de pouvoir, c'est bon, tais-toi, Arind. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Bah, parce que vous n'arrivez pas de parler. Avec un peu de chance, cela ralentira l'armée qui marche sur Padivert. Et nous pouvons penser que la perte d'un nouveau mot de pouvoir nuira au plan de Maugrim, quel qu'il puisse être. On verra. Vous avez bien agi. Padivert et l'Alliance Seigneuriale vous sont reconnaissantes pour vos efforts, et c'est en leur nom que je vous remets cette récompense de 3000 pièces d'or. J'ai encore croisé Edraline à Arin. Vraiment? Et que vous a-t-elle dit cette fois-ci? Elle m'a parlé de la race des créateurs, disons qu'elle en faisait partie. Je crois que c'est une amie, peut-être. Je ne suis pas expert en histoire, mais cela ne lui ferait-il pas plusieurs siècles d'existence? Ouais, je sais pas. Sûr d'y croire, et moi non plus, pas mais bon. Ce que cela a à voir avec mon crime, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Enfin, tu veux dire, j'ai l'intention de le découvrir grâce à moi. Laissez-moi me préoccuper d'Aedraline. Ah bon, d'accord. Maugrim et ses hommes rôdent encore dans la région, ce qui signifie qu'ils doivent penser qu'il reste encore au moins un mot à découvrir. Trouvez-le avant eux. D'accord. Je vous souhaite bonne chance pour votre mission. La survie de Padivert en dépend. Bon, alors je pense qu'il est possible que Guzud donc se trouve dans le dernier quadrant de la qu'on doit explorer, c'est-à-dire ici, Forilkarb. Possible seulement. Bon, alors. Alors que je réorganise tous mes trucs, moi. La tribu des élans, c'est ça, et le provisionnement, c'est bizarre. Alors, une grande lance, maître attendant du puits de Beorina, veut envoyer un message aux pillards qui attaquent les lignes. Pour une récompense conséquente, elle lui rapporterait la tête des ignobles bandits orques, Vat et Guzud. D'accord. Bon, niveau supérieur. Druide. Savoir. Ah oui, je voulais voir. Ah oui, savoir. Allez hop, je monte au maximum le savoir. Le reste, on verra plus tard. Pars, ok. Plus 11, bah oui, je suis d'accord. Forme animale 5 fois par jour, ok. 88 seulement? Non. Étonnant, bah bon, c'est pas grave. 134 pour moi, yeah baby. Et Tommy de la potence, 119. Et bien, elle a gagné. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était pas ça, c'était autre chose. C'était le sabre. Est-ce que je peux savoir? Pas. Ça c'est celui que j'ai de base. J'ai récupéré, il est où? Il est là. Oh non! Encore un plus 2 à sa cliente. Non mais je rêve quoi. Oh là 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 là. Bon bah, on va aller au temple et puis on va vendre tout ça. M'énerve. Bon, et bah écoutez. En tout cas. Moi je vais me reposer après cette belle bataille contre Cloth. On va se reposer ici, tiens, pour la peine.
Voilà, allez. Tranquillou, on range. On enlève le casque, on va réarranger ses sorts. Hein, elle va se reposer ici. Quelqu'un pourrait m'aider à porter. Mais qu'est-ce que tu fais, Tommy? Juste derrière moi, dans mes hauts. Petit pervers, derrière, dans, sous ma cape en plus. Écoutez, petit padivérienne et petit padivérien, je vous dis à très bientôt, Neverwinterien, Neverwinterienne. Je vous fais des gros poutous, je vous dis à bientôt dans le 9e épisode du chapitre 3 de cette campagne officielle. Tommy, tu. Non. S'il te plaît, tu me regardes pas par derrière comme ça avec ton gros coucri. C'est un coucri qu'il a en main en plus. Hein. Bon, allez, ciao, à bientôt. Portez-vous bien tout le monde et jouez à Neverwinter Nights si vous avez l'occasion. Ciao.